Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Hein, et meilleurs vœux à tous et à toutes qui êtes abonnés à la chaîne et qui nous suivez depuis plus ou moins longtemps. On se retrouve sur F1 2014 pour ma carrière suivie avec le mode 2015. Alors pour tout d'abord on va commencer hein, par les rappels. Donc vous avez vu que pour la chaîne on a fait peau neuve, on a acheté une nouvelle bannière. On a aussi un nouveau logo, j'espère que tout cela vous plaît. Si vous trouvez que c'est dans les goûts de la chaîne, que vous trouvez ça sympa, faites-le nous savoir, c'est toujours intéressant de le savoir. Et puis donc pour Cédric, hein, souvent la question revient, Cédric, pourquoi ne refais-tu pas du F1 2015? Cédric, pour l'instant, avait des soucis avec son F1 2015, c'est-à-dire que. Il est arrivé à un moment de sa carrière où, lorsqu'il chargeait le circuit, le jeu plantait, retournait sous Windows tout simplement. Hein, donc, il était incapable de pouvoir continuer la partie. Il a donc désinstallé le jeu et puis, bon, bah, les vacances de Noël étant très chargées, comme vous le savez, hein, les repas de famille, etc. Cédric n'a pas forcément eu le temps de réinstaller F1 2015, mais ça sera fait, je pense, d'ici peu pour qu'il puisse reprendre cette saison sur F1 2015 pour le plus grand des plaisirs de tout le monde. Donc un peu de patience, je pense que ça va revenir, mais dans tous les cas, Cédric ne reste pas sans rien faire. Hein. Vous avez pu voir qu'il vous a proposé du contenu très intéressant. Son petit duel avec le pilote mystère de chez Top Gear, qui était très intéressant, court certes, mais très intéressant. Et le rétro gaming sur PlayStation aussi, c'était quand même aussi très sympa, plein de souvenirs. Donc voilà, on revient un petit peu à la chaîne, on attaque cette année 2016, donc avec du F1 2014, avec le mode 2015, et on est sur le circuit de Shanghai pour les qualifications. Et donc il est attendu 66% de chance de pluie pendant les qualifs, c'est-à-dire. On attend tout simplement de la pluie pour Q2 et Q3. Donc il va falloir que bah, déjà on arrive à Q2, ce qui va pas forcément être évident. Vous le savez que depuis le début de la saison, cette McLaren Honda me donne du fil à retordre. Donc on va tâcher tout simplement de donner notre maximum pour pouvoir arracher une place en Q2, ce qui va pas forcément être des plus évidents. Mais une fois qu'on aura une place en Q2, peut-être qu'on aura une opportunité de se placer. Avec les conditions météo pluvieuse, ça pourrait jouer en notre faveur. Quoi qu'il en soit, au sujet des suites des aventures sur la chaîne, ben vous avez aussi vu pendant les vacances la découverte du DLC que j'ai pu vous faire, DLC Renault Sport. Hein, certains ont apprécié beaucoup, heureusement. D'autres ont largement critiqué, mais bon, on va dire que c'est les lois de YouTube. On y est tous soumis, plus ou moins. Mais bon, quand on se fait critiquer en disant que on fait toujours sur le même circuit et que c'est pas très varié, il faut dire ce qui est. Ça fait pas forcément plaisir, mais j'accepte les critiques. J'en prends mon parti. Et pour la personne qui a ouvertement critiqué le fait qu'on ait utilisé qu'un seul circuit pour faire ce test sur le DLC, c'était tout simplement pour avoir un pied de comparaison entre les différentes voitures sur un circuit qui était toujours le même. Et savoir voir un petit peu les différences de comportement des voitures selon les différentes catégories sur un seul et même circuit. Voilà, si la personne se reconnaît, j'espère que cette réponse lui satisfait, sinon je peux rien pour elle. Voilà aussi au niveau des abonnés, hein, vous avez vu qu'on oscille entre les 2000, enfin autour des 2000 abonnés. On était passé à 2000 et quelques abonnés, on est redescendu à 1997, aujourd'hui on est autour du 2000, enfin voilà, YouTube est devenu vraiment impitoyable, j'ai envie de dire, dans le sens où les gens viennent, regardent une vidéo, s'abonnent, le lendemain se désabonnent parce que finalement ce qu'il y a sur la chaîne ne les intéresse pas plus que ça. Voilà, donc bon, après c'est voilà, c'est YouTube quoi. Après je sais que. On fait de notre mieux pour proposer du contenu de qualité. C'est sûr que c'est pas du niveau de certains autres youtubeurs, mais on fait de notre mieux avec les moyens qu'on a. Et heureusement qu'il y a une grande partie d'entre vous qui sommes des fidèles et qui nous suivent depuis le début ou depuis plusieurs mois et qui sont toujours là pour nous accompagner dans cette aventure. Et merci à vous en tout cas. Mais c'est pas pour autant qu'on va se décourager, qu'on va tout laisser tomber.
On sait que beaucoup d'entre vous nous soutiennent et sont avec nous. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour demain que la chaîne va fermer. On a encore des beaux jours à venir devant nous. Ah, j'avais annoncé aussi un live pendant les vacances que je n'ai pas tenu, hein, tout simplement parce que bah, je n'ai pas eu le temps et puis bah, mon état de santé me le permettait pas. J'ai passé les vacances, on a passé les vacances en famille tous malades avec la grippe, donc du coup on n'a pas pu, enfin j'étais pas en état de faire un live et de jouer. Heureusement que c'était la semaine. C'était la semaine où Cédric proposait ses vidéos parce que moi j'en avais pas d'avance et j'avais vraiment pas le courage de tourner. Pour vous dire, hein, mon PC je l'ai pratiquement pas utilisé les vacances. Donc voilà. J'ai encore un petit peu des restes de cette grippe, mais bon, pour l'instant, c'est qualification avec mon meilleur tour en 1.52.775, parce que je parle beaucoup d'autres choses, mais je parle pas vraiment des qualifs. Une McLaren qui est toujours autant nerveuse à la réaccélération, hein, vous avez vu, il faut vraiment que j'y aille avec parcimonie pour accélérer. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est loin d'être évident. On va tenter un dernier tour avec l'essence qui commence à clignoter. Est-ce que la Toro Rosso va s'écarter? Verstappen non, qui reste sur sa ligne de conduite. C'était sympa. Là que je suis en amélioration, il faudrait pas que je me loupe. Faut peut-être essayer d'arriver à remonter un petit peu dans le classement. Ça serait plutôt cool. Que je tombe pas en panne d'essence avant la fin. Zone de DRS ici, on va lancer le moteur à fond, plus de 320 km en bout de ligne droite. Alors on a une indication sur l'usure des pneus, hein, les pneus tendres qui feront pas plus de qui commenceront à être entamés au bout de 3 tours. C'est une bonne indication. Il faut savoir comment il va falloir se comporter avec la monoplace. La grosse amélioration à 2 secondes 6 de mieux. Je suis juste derrière mon coéquipier qui est 16e pour l'instant. Et pour l'instant aussi, malgré cette grosse amélioration, ça ne sera pas suffisant. Simplement parce que, comme vous le savez, avec la règle des places et des éliminés à la fin du Q1, 17e ça fait partie des éliminés. Mais bon, je tiendrai mes objectifs d'écurie si tant est que je reste à cette position là. Alors qu'ici j'améliore le secteur de 2 dixièmes. C'est vraiment dommage que là l'essence ça va être vraiment trop juste parce que là je suis en amélioration dans les deux premiers secteurs, une demi seconde de mieux, hein, l'issue du deuxième secteur.
c'est pas évident que ça aille jusqu'au bout. Hein. Ah, j'ai plus d'essence. J'améliore même pas, j'aurais pu améliorer s'il me restait de l'essence et malheureusement j'améliore pas. Et on va rentrer au stand un petit peu comme ça. Ce que j'ai voulu tenter hein, d'aller jusqu'au bout. Hein. Je me permets des choses puisque là j'ai quand même une voiture qui est pas simple à conduire. On voit que j'ai quand même déjà bien entamé les pneus, ils étaient déjà, il y avait 20% du pneu déjà d'utilisé. Allez, on sait qu'on peut améliorer ce chrono encore. Surtout qu'on est descendu à la 20e place là, on est bon dernier. Et il reste 2 minutes 40 dans la séance, on a le temps de faire les deux tours, celui-là et un autre. Bon, celui-là, ça sera mort parce que vous avez vu la voiture qui est littéralement allée tout droit. Et j'ai clairement mis sur la courge à mon pneu, à la gauche. Bon, je peux même pas faire un tour au ralenti pour économiser de l'essence, ça servira absolument à rien. Que j'ai vraiment pas une seconde de trop. Dans la séance, on va se dépêcher d'aller rallier des lignes de départ arrivées. Et Vettel qui était devant nous qui rentre au stand. Allez, ça sera notre dernière tentative pour améliorer. Attention à ne pas commettre la même boulette que tout à l'heure. En rattrapant le point de corde. Secteur. Voilà, la séance est terminée. C'est ce tour qui va être déterminant. Et la pluie qui commence à tomber sur le circuit juste à la fin de la séance. Une seconde de mieux à l'issue du deuxième secteur, mais là je viens de me louper un petit peu la réaccélération dans l'escargot qui commande la grande ligne droite et la zone du DRS. Est-ce que ça m'aura fait perdre beaucoup de temps? J'en ai bien peur. Allez, on donne tout ce qu'on a dans cette dernière tentative. Alors que la pluie s'intensifie.
Et on coupe la ligne avec une amélioration qui nous fait gagner 2 places, puisqu'on aura fait un 1.49602, ça nous met devant les deux Manors, mais malheureusement, ça ne nous permettra pas d'aller chercher le chrono qui sera nécessaire pour accéder à Q2. Donc notre qualification qui s'arrête, eh bien tout simplement à Q1 avec un Fernando Alonso qui signe encore un cinquième temps pendant les qualifications qui est complètement hallucinant, vous en conviendrez. Et donc voilà pour les qualifications. C'est dommage parce que pour une place, je n'aurais pas réussi à atteindre les objectifs de l'écurie qui était de moins de finir 17e. Bon, voilà, tant pis, hein. On va regarder ce que ça donnait au niveau de la grille de départ. Donc voilà, au niveau de la grille de départ, hein, on a Nico Rosberg qui part en pole, suivi de Sébastien Vettel et Felipe Massa, Raikkonen 4e, Lewis Hamilton un peu plus en retrait, hein, 5e pour ce départ. Valtteri Bottas qui partira 6e, Alonso hein, qui part avec une hallucinante 7e place. 8e, Nico Hülkenberg, Kvyat, Ricciardo 9e et 10e, les deux Red Bull. Sainz et Pérez 11e et 12e. Ensuite, on a Ericsson et Nasser. Grosjean partira 15e avec Max Verstappen. Passeur Maldonado partira 17e. Je partirai donc 18e devant les deux Manor de Méry et Stevens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que bah voilà, c'est une saison galère hein, avec la McLaren, mais c'était ce qui était prévu. Mais on va pas lâcher l'affaire hein, malgré tout, même si c'est voilà, on va se battre dans le peloton, même si on marque pas de points, on cherche l'opportunité. Et on va pas se décourager pour autant. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous dis à dimanche pour la course. Salut à tous.